mais c'est génial, mais ça c'est top. Et puis ça, tu vas changer, hein. Et pour le moins, tu vas changer. Mais je la baisse, j'oublie son ego. Oh, oh, oh putain, oh la, oh la, oh, oh, ouh. Ah, en vrai, je me suis vraiment fait mal. Gros mot. Ah, shit. Here we go again. Ok, celle-là, je la garde. Celle-là, je la refais pas. Ah, c'était pas prévu, ça. Oh, je le refais plus, je le refais plus à tes doigts, mais je le refais plus. Ça fait au moins 10 fois que je le refais. Ouh. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est ton gars Black Crook. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La Mif. Dans cette vidéo je vais présenter mon premier clip de rap à ma mif, plus particulièrement à ma daronne. Le premier clip que vous avez sûrement vu avec Juicy Babe intitulé Picasso. Voici un léger extrait pour vous. Lourd, vraiment. Je t'invite fortement à aller voir ce clip. C'est un projet qui m'a demandé énormément de temps et je suis vraiment content du résultat final, même si je peux faire mieux. Mais vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là. Les plus vifs auront capté. Du coup, j'avais demandé à ma famille de ne surtout pas regarder le clip pour que je puisse leur montrer. Après, sur mon Instagram, j'ai fait énormément de promos par rapport à ce clip. Donc déjà, je t'invite à me follow sur Instagram. C'est très très important. Je suis hyper actif là-bas. Du coup, j'ai fait beaucoup de promos. Donc je sais qu'ils ont vu quelques extraits, mais ils ont pas vraiment vu le clip de A à Z. Du coup, voilà. Bah écoutez, on va pas plus tarder que ça. On va les appeler. Et voilà, c'est parti. Allez. En première invité, nous accueillons l'intrépide, celle à qui j'ai coupé les écouteurs pour lui offrir des AirPods. Allez, second poteau, pas mal. Elle s'appelle Noura la Mamelle Flamme. Je suis là. Ouais, c'est bon, prends place, assis-toi, assis-toi. En deuxième invité, nous accueillons l'intrépide, l'effavorable, celui dont les gens ont peur dans la rue, on le vestit comme le coronavirus, Alexandre Belleflamme. Ish, dégradé soin. En troisième invité, nous accueillons l'ananas de la famille, celle qui ressemble... Comment c'est pas encore le gars dans les Simpsons avec sa tête avec les palmiers? Hey, tu m'as... Tahiti Bob, non? Tahiti Bob. Nous accueillons Tahiti Bob et Keastou. Yeah, 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 pull up on the beat. Yeah. Et en dernière, nous accueillons celle que vous connaissez, celle que vous réclamez, celle qui a... Maman, celle qui a donné les premiers coups de perruque historique reconnus dans le Guinness World Records, c'est la daronne à Black Crook. Mais le problème, c'est que j'ai un petit problème de braille. Ah, voilà. Une petite antenne, oui, on sait. Tout va bien pour elle, ne vous inquiétez pas. On vient voir le clip. Oui, effectivement. On va voir à quoi ça ressemble. J'espère juste qu'il n'y a pas de gros mots dans le clip. J'espère qu'il n'y aura pas de gros mots parce que maman, dans le rap. Non, dans le rap, il y a ouais, maman, on veut les voir. Ok, envoie. J'étais à sec, je suis dans ma planche. Billet, billet, je recompte, ça va. Je veux plus de money, moi je dis pourquoi quoi. Mais déjà là, vous en pensez quoi de l'histoire? Un peu en mode, on arrive dans une maison qui nous appartient pas, tout ça, vous en pensez quoi? Tu vois les effets et tout, moi je trouve ça c'est super bien fait. Et le fait que on soit dans une maison qui t'appartient pas, tu viens. C'est pas en mode, ouais, c'est, on a trop de pôles, des trucs comme ça, tu vois. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que j'ai l'impression que tu avançais et lui, il t'a retiré en te disant, regarde la porte là,
elle est ouverte, on rentre ici. Et... c'est une connerie d'Ève ni d'Adam, la personne. Et alors tu rentres et puis tu fais ta clip comme ça. Et on danse et on chante et comme si on était chez soi. C'est les deux utiles, voilà. C'est quand même pas normal, ça se fait pas. Ça. Non, mais enfin, c'est un clip. C'est le clip, c'est le but. C'est un clip, quoi. C'est un clip, maman. C'est une maison que j'ai louée. C'est une maison que j'ai louée. Mais maman, c'est pas la vérité, hein. En tout cas, le début est vraiment nickel, rien à dire. J'ai juste l'impression d'avoir entendu un seul gros mot. Comment t'as fait ça? Quand il fait le mouvement, je disparais. Voilà, t'apparais dans le truc, c'est ça. Non, non, non. Tu vois ça. Mais tu envoies du lourd grave, Kevin. Vous avez kiffé? Ah, mais c'est génial, mais c'est très, top. J'ai fait trop d'erreurs. Ah, trop d'erreurs. Moi, si jamais ça m'avait appelé, moi j'étais là. Tout ça, c'était vraiment prévu tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il y aura une vidéo making of, mais. Marquera que. Sur terre pour tout niquer. Ah non, non, Kevin, ça tu vas changer quand même. C'est possible encore de changer. C'est déjà en ligne. Elle m'envoie des nudes et m'envoie pas d'air. Elle m'envoie des textos jusqu'à pas d'heure. Tu vas plus craquer sur un pas d'œil. C'est un secret pour pas dire. Ça sent mes proches. Ah, je vais kiffer ça ou pas? De tout flic, négro, je la baise, elle lui son négro, le dernier cas. Négro, je la baise, elle lui son négro. J'en avais donné des ailes, je me rappelais quand j'avais personne. Je voulais juste donner mon cœur. Elle est comme fou là. Mais quand même, il y a un petit bijou. Et ça arrête. Ah, mais Kevin, on a entendu le pistolet. C'est du pistolet qu'on a entendu. Yo! Les amis, je me permets de couper cette vidéo pour vous parler de Drake Maul. Et là, vous allez me dire, ouais, Black Rock, il est vraiment sympa, mais il nous présente des trucs et moi, je sais pas c'est quoi. Eh bien, les potos, c'est assez simple. Drake Maul est un site de boîte mystère qui va donc te permettre, comme vous pouvez le voir, de faire des tirages au sort sur différents types de boîtes. On a vraiment de tout. On a des boîtes où tu peux gagner un iPhone, des boîtes animées, donc pour tout ce qui est manga, animé, enfin bref, comme vous pouvez le voir ici. Après, ici, on a des meme box, on a des e-sport box. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, on a vraiment plein de boîtes de tous les styles. Donc pour vous enregistrer sur le site, c'est très, très simple, ça se passe juste ici. Donc vous vous enregistrez, ici vous mettez votre nom, etc. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter tout simplement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur mon compte. Voilà, BlackRock, on voit le petit dragon, tout ça, tu connais posé. Ici, juste à côté, on peut ajouter de l'argent. Ici vous pouvez voir les différents moyens de paiement, PayPal, Giftcard. Franchement, il y a tout, il y a Maestro, il y a Mastercard, il y a vraiment... Ici, imaginons, voilà, vous désirez mettre 100$ et vous pouvez mettre le code promo CROOK avec lequel vous aurez 10% de réduction sur votre achat. Donc voilà, utilisez le code promo, vous avez 10% de réduction. Alors juste avant qu'on commence à passer à la partie plus intéressante où on va ouvrir des boîtes et on va essayer de tirer le gros lot, cousin, vous pouvez prendre un abonnement VIP. Donc voilà, l'abonnement VIP qui vous confère des droits privilégiés comparés aux autres citoyens de la citadelle, comme par exemple des réductions plus élevées. Vous avez des daily free box, ça veut dire que toutes les semaines vous allez avoir des boîtes gratuites. Il y a pas mal de trucs, donc moi personnellement je vais prendre un mois. Voilà, par exemple là j'ai pris, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la petite couronne qui s'ajoutait. Bref, passons aux choses sérieuses, passons à l'achat de quelques box. Alors moi, ce qui m'intéresse, allez, c'est de gagner un petit iPhone. On va ouvrir une box iPhone, let's go les amis. Qu'est-ce qu'on va voir, cousin? Imagine bien dès le début. iPhone Water Game, ok, bon, ça c'est pas ouf. Oh, V-Box, open now. Allez, halas mon gars, halas. Mets-moi bien. Oh, j'ai cru que j'allais avoir l'iPad. Ok, LED Watch. On va passer à d'autres boîtes. Gamer Box. Allez, moi je suis un gamer. Let's go, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? Mini 8-bit console. Ah, une mini console, connais pas. Ok, pourquoi pas, soyons fous. Y'a quoi d'autre, cousin? Moi je vais faire l'anime box. Elle me tentait pas mal. Elle est où? Anime box. Ah, elle est là. Allez, khalas, mets-moi bien le choco. Khalas, frérot, fais plaisir. Mets bien la mif. Oh, le Death Note. Oh, ok, ça c'est frais. Ça c'est frais de ouf. Ça c'est frais, mon gars.
Comment il s'appelle encore elle? Oh mais Théma, dis-toi. Oh mais là je me mets bien en vrai. Je me mets grave bien. Redbox, Applebox, vas-y Applebox, let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit iPhone. Imaginez, je gagne un iPhone. Imaginez. Parce que j'ai vu des gens qui ont gagné des iPhones sur ce site. C'est quoi ça? Apple Retro Logo Sticker. Vas-y, khalas là, khalas. Mets-moi bien. Pas mal. Ça, c'est les trucs pour charger. Tu peux charger l'Apple Watch, tu peux charger ton téléphone, tu peux charger. Enfin bref, c'est une station de chargement, on va dire. iPhone Box, let's go, les gars. L'iPhone Box, elle est pour moi. Ok, let's go. Y'a quoi ici? Qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut gagner des iPhone 11 et tout. Oh mon dieu. Oh la dinguerie. Y'a quoi d'autre? Funko Pop Box. Oh, c'est qui lui? Stanley. Oh, c'est Stanley, je l'ai même pas reconnu, wesh. Stanley, lourd, mais voyez que on est pas mal quand même. Là, j'ai gagné déjà des trucs pas mal, hein. Je me suis refait là. Console Box, ouais, Console Box. Vas-y, poto, fais péter. C'est un Tamagotchi. Oh, jure, ça existe encore les Tamagotchi. Quand j'étais petite, c'est comment je kiffais ça, frère. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, les amis, vous pouvez vous rendre sur votre profil et là, vous allez voir tous les produits que vous avez gagnés. Vous pouvez décider de vous les faire livrer ou bien de les vendre. Et si vous décidez de les vendre parce que les produits ne vous intéressent pas, le site vous permet ici dans produits d'avec l'argent que vous aurez récolté en vendant les produits que vous ne désirez pas, vous pouvez acheter les produits que vous désirez ici tout simplement. C'est assez facile. Voilà, les amis. Et c'était tout pour l'instant pub. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Alors moi, le clip, j'ai kiffé. Le truc, comment c'est fait et tout. Moi, j'ai vraiment kiffé. En plus, moi, j'écoute ce son là, je l'ai écouté. Je sais que je veux le tuer, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes transitions. Et genre, si tu le regardes plusieurs fois d'affilée, tu vas voir des trucs que t'avais pas vu la première fois. Moi, je trouve que c'est très très bien. Il y a quand même des paroles, il y en a quand même quelques-uns que tu devais quand même changer parce que je trouve que c'est. Enfin, les. Il y a quelques gros mots, hein. Niqué, machin et tout. Je peux même pas le dire. Et en plus, vers la fin, comme ça, on voit bien tes abdos. Il a la propriétaire qui vient, qui voit que tu es sur son lit et tout. C'est pas ça la fin. Je pense que tu veux dire. Elle a raison parce que, vous voyez, à la fin, je fais le. Salut à tous, c'est la salle. Et mais donc toi, tu croyais que c'est la propriétaire, genre que. Voilà, c'est possible. C'est une théorie possible. Les effets spéciaux, surtout le miroir, ça, c'est vraiment bluffant. Et alors, quand il fait la photo, le photographe, quand il prend les photos comme ça, j'adore. J'achète. Le clip, il est trop d'art. La musique, elle est trop d'art. Genre, les deux, ça va se former ensemble. Et l'histoire, tu rentres, t'invites tes potes. Voilà, exactement. Ouais. C'était il y aura une suite. Ah bah, j'espère, parce que c'est vraiment. Mais une suite avec une autre chanson. Peut-être pas. Ah, parce que. Qui sait? Est-ce que vous attendiez à ça? On a déjà écouté le son, vu qu'il est sur Spotify et tout. Le clip, moi j'attendais pas à ça, tu vois. Moi c'est vraiment une idée de. C'est pas que j'allais jouer une horizon, ramener des gens, mettre les effets. Même le son en soi, faut le dire. Si. Les deux sont lourds, tout est lourd. Quand tu fais la prochaine fois, évitez vraiment des gros mots. Des gros mots. Ça passe pas à crème, quoi. Ça c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Non, mais c'est ton avis, mais si je vous ai ramené, c'est pour ça, c'est pour donner votre avis. Voilà, moi je trouve ça. Et voilà, en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé que je fasse une vidéo réaction. C'est ça, super. C'est vraiment gentil, merci à tous, vraiment. Du coup, vous validez, c'est bon? C'est super. Imaginez son frère faire des clips comme ça. Quand tu le vois, c'est totalement autre chose que quand tu vois que de. Ouais, comme ça, tu vois. Mais je sais que moi, quoi qu'il arrive vis-à-vis de ça, j'ai quand même kiffé le clip et je sais le son, or que c'est mon frère que j'entends dans mes oreilles, tu vois. C'est très chaud. C'est lui qui fait toute la vibe du son, on va pas se mentir. Allez, donner de la force à Dwizzy P. Ouais, ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Merci en plus, surtout pour un premier clip. Même moi, je suis très très satisfait du résultat. Et on va pas s'arrêter là, vous inquiétez pas, on va faire d'autres trucs. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. À mettre un j'aime, à vous abonner. Attends, moi je dois faire une dédicace à quelqu'un. Quoi, vas-y, fais vite. Dédicace à Chloé, la petite sœur d'Elvira. Dédicace à toi, Chloé, la petite sœur d'Elvira. Ça fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo, voilà. On s'en fout de comment ça termine. Ça fait plaisir, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Nimbo. Les amis, on se dit à bientôt. Allez, ciao.